Monsieur le Président, hier, le Premier ministre a affirmé qu'il est prêt à travailler avec les partis d'opposition et considérer leurs modifications à son projet de loi sur la réforme électorale. Ce projet de loi non seulement permet au gouvernement libéral de faire campagne avec l'argent des contribuables avant une élection, mais il continue de permettre l'ingérence américaine dans nos élections. S'il veut vraiment améliorer ce projet de loi, est-ce qu'il va dire à Elections Canada d'arrêter immédiatement la mise en application de cette mesure législative jusqu'à ce qu'elle soit adoptée? Jean-Laurent, Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, nous sommes très fiers qu'une grande partie des recommandations que nous mettons, du projet de loi que nous avons mis de l'avant pour Élections Canada, c'était justement des recommandations d'Élections Canada sur comment améliorer notre système électoral, surtout après que le gouvernement conservateur antécédent a vraiment bousillé notre système d'élection, en rendant ça plus difficile pour les Canadiens de voter, en rendant ça une meilleure place pour d'utiliser plus d'argent pour convaincre les Canadiens de voter pour eux. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Nous sommes maintenant en train d'arranger, d'améliorer notre système.